Léa Ferrand est la maman d'Antonin, 2 ans. En fin d'année dernière, son enfant a été malade après avoir consommé du lait Lactalis contaminé à la salmonelle. Elle attend beaucoup de choses de l'audition d'Emmanuel Beignet par la commission d'enquête parlementaire. On attend des réponses. Enfin, moi, j'attends des réponses, savoir pourquoi des lots contaminés ont pu être vendus, pourquoi ils s'en sont pas rendus compte plus tôt. Pas d'excuses, mais des explications. Et surtout, la garantie que cela ne se reproduira pas. On a vu au fur et à mesure de ce dossier que ce n'était pas une négligence, c'était une abstention coupable. L'entreprise Lactalis et M. Beignet savaient ce qui se passait dans ces usines et ont pris la décision de fermer les yeux pour des raisons économiques. Alors que le PDG de Lactalis a affirmé dans une interview que la production à l'usine de Cran allait être relancée dans les prochaines semaines. Ce redémarrage est très encadré et il n'y aura aucune faveur de l'État sur ce redémarrage. Ils sont très vigilants. Emmanuel Beignet a aussi soutenu que des travaux importants avaient été engagés sur le site pour la réorganisation et l'amélioration des process, et que les analyses des produits seraient renforcées.